Moi, c'est Sophie Martineau et du coup, j'ai suivi deux formations donc au niveau des CMA, un BPJEPS Animation Culturelle et un DEJEPS Animation Sociale. Mon métier, du coup, maintenant, je suis référente sur le secteur adulte-famille d'un centre social. Donc, du coup, ça consiste à faire des ateliers. Hein. Donc, pour les familles, on les reçoit aussi donc, sur tout ce qui est mission, levée de frein. Hein. Et puis après, on s'occupe de tout ce qui est événement, sortie, voilà, avec les adultes et les familles. Hein. En fait, de base, je suis artiste, auteur, puisque je suis illustratrice. Donc, j'ai un master d'illustration. Et donc, suite à ça, j'ai fait pas mal d'ateliers avec du public, avec différents types de publics. Et je voulais me reprofessionnaliser dans les métiers du social et de l'animation. Donc, d'où mon entrée en formation au CMEA. Alors, donc en fait, la formation de EGEPS, je l'ai choisie juste après, moi, la fin de mon BPJEPS. Donc, pourquoi au CMEA? C'est parce que j'étais déjà au CMEA et donc, du coup, ça a été sur la continuité de mon parcours. Hein. Alors moi, ce que je préférais donc au niveau de la formation sur le DEGEPS, c'était cette possibilité de pouvoir être à la fois en formation et donc de revenir sur notre parcours professionnel et à la fois donc sur le terrain, donc de pouvoir en fait faire cette balance des deux. Hein. Ça a été de pouvoir justement moi faire avoir du recul hein, sur mes actions, c'est-à-dire qu'avant je faisais des ateliers avec des groupes et puis je changeais de groupe, je refaisais des ateliers. Là, le fait d'être avec un groupe en continu et donc d'être maintenant depuis un peu plus d'un an en poste, ça m'a permis de pouvoir prendre du recul en fait. Hein. Et c'est en ça que moi la formation au CMEA m'a beaucoup aidé. Hein. C'est de tenter l'expérience, hein, voilà. De toute façon, ça peut être qu'un bonus pour la suite. Hein.